Allez, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et j'imagine qu'ils se disent waouh, qu'ils sont beaux, mais que je suis belle. Bon, toi aussi, quand même, hein? Qu'elle est belle, mais lui, c'est le servant aujourd'hui, c'est notre serviteur. Voilà, c'est un cours royal, c'est bien cela. Donc voilà, je suis la reine, elle c'est mon invitée et voilà mon serviteur. Donc, juste pour vous dire que cette fois-ci, aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, bienvenue au plateau spécial de fin d'année, mais en mode africaine. Donc, j'imagine que certaines se disent, c'est un plateau spécial fin d'année, ils sont habillés ainsi, certainement. On a le droit, non? Oui. Vu qu'on a même maintenant des Papa Noël noir. Bien sûr. Ah, ça fait bizarre, mais c'est quand même... C'est drôle aussi. On peut se permettre, chers amis téléspectateurs. Donc, comme vous l'avez sans doute deviné, on est habillé par quelqu'une qui est tout aussi belle et tout aussi magnifique que nous. Mais avant cela, bah, je vous présente mon serviteur, l'unique, mon très beau et voilà, très très beau quand même, chroniqueur. Bonjour Brian. Bonjour Tarzan, comment tu vas? Ah, c'est ça. C'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout. Il n'y a rien qui ressemble à Tarzan ici. Tu vois? Et tu vas répondre tout à l'heure. Hein, parce que là, il ne me parle pas là. Tu vas répondre tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que notre image à nous ressemble à Tarzan. D'accord, Brian, écoute, Non, je ne vais pas m'en prendre à toi, parce que ça risque d'être une discussion et je risque même d'empiéter ou même de taquiner d'autres personnes. Donc, je vais me limiter à ça. Et si tu dis que je ressemble à Tarzan, donc il est... Tarzan, c'est un mec, mais bon, je vais quand même dire, il était beau alors, Tarzan, parce que je suis belle. Je suis une Africaine à 2000%, je suis magnifique, je le crois, je le sais, et toi, je ne te demande pas ton avis. Et tu vas même t'arrêter à là, tu vas saluer. Personne. Sinon, ta tenue, elle te va. Non, Tarzan, tu n'as rien d'autre à dire. Non, tu n'as rien d'autre à dire, Brian. Je ressemble à Tarzan, c'est ça? Merci beaucoup, mais je sais que je suis belle, et je vous le dis... Chère Africaine, même si on ressemble à Tarzan, on est belle, on le sait, on est magnifique. Ce sont nos accessoires, ce sont nos matières, ce sont nos trucs artistiques. Donc, on est magnifique, je le sais. Brian, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de parler. Je ne parle plus, d'accord? Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous l'avez remarqué, on a notre chère invitée, la très grande styliste Ouzuri Zayn, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Célia. Tu vas bien? Oui, très bien. Très, très belle. Merci, j'adore. Aussi. Vous êtes magnifique. Et je vais te permettre de répondre à Brian parce que c'est quand même ta collection. Non. Tu vois ce que j'ai aujourd'hui là. Quand je te le fais comme ça, tu as le droit de parler. Quand je te fais ça, tu n'as pas le droit. Non, non, non. Pourquoi j'ai dit ça? C'est sa collection à elle. C'est la collection d'Ouzuri Zayn. C'est elle qui m'a habillée. C'est elle qui t'a habillée et voilà même ce qu'elle a porté. Et je te dis très sincèrement, hormis toutes nos blagues, la collection elle est magnifique, j'adore. Alors tu nous en parles vite fait, tu salues en même temps les téléspectateurs et on entame. Et bah, bonjour, je m'appelle Ouzuri Zayn, je suis comorienne, je suis basée à Dakar. Mm-hmm. Aujourd'hui la collection ça part de l'Afrique antique, des royaumes. De l'ancien Afrique. Du coup c'est d'où j'ai utilisé les matières typiquement africaines pour faire la collection. Et ça, ça représentait le roi, même si on n'avait pas... On n'a pas utilisé les tenues. Merci d'avoir utilisé le passé. Et ça représente le membre du cour royal et tout. Merci, merci. J'ai toujours l'air d'une reine et c'est magnifique. C'est trop, trop cool, ça. Elle a bien, tu as bien dit, représenter. N'est-ce pas? Merci d'avoir dit ça. Merci. Merci. Tu vois, je peux me permettre. Je suis la reine. Brian, s'il te plaît, quand je fais ça, tu te tais. Je suis la reine. Hein? Jamais. Eh bien, je te passe ça. Tu parles. Ensuite, tu me passes ça. Ouzuri, elle parle. C'est comme tu veux. Mais aujourd'hui, vu que je suis la reine, j'ai quelque chose qui lui ressemble, n'est-ce pas? Eh oui. Yes. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était Ouzuri Zayn, comme elle a dit, et cette collection représentait l'Afrique antique, d'où une royauté pareille, et je suis la reine. Merci, je le répète. Alors, Brian, le serviteur, tu nous amènes où cette fois-ci? Le roi vous emmène tout droit en Angleterre, du côté de Londres. Le serviteur, oui, merci. Où s'est tenu les Mobo Awards le 5 décembre. Et sur ce, les récompenses Mobo
un acronyme anglais pour Music of Black Origin, musique d'origine noire, créée en 1996 par Kenya King, qui se déroule annuellement au Royaume-Uni pour récompenser des artistes de n'importe quelle origine ou nationalité qui jouent de la musique d'origine noire. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Steph London en bradley, écharpe, une robe vraiment magnifique et toute blanche. J'adore le ton de la robe. Hein. Ouais. Déjà, cette couleur, elle est très très élégante. Dès que tu t'habilles en blanche, que ce soit une robe assez simple, que, avec des coupes ou pas, déjà t'as cette touche d'élégance qui t'accompagne. Et là, je pense que c'est la chose qu'on remarque le plus. Et là, juste rajouter un petit truc avant de te donner la parole. On peut remarquer, ou bien une petite chose peut faire une grande différence. Cela fait un bon bout de temps qu'on a remarqué que les créateurs, les stylistes n'utilisent presque plus de baleines. Bah, quand je parle de baleines, pour ceux qui ne connaissent pas, certainement toi tu connais les baleines. Oui. Parce que c'est la seule chose qui a apporté cette différence-là à la robe. Parce que les baleines, pour ceux qui ne savent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces espèces de tuyaux qu'ils ont mis autour de la robe pour que ça puisse dessiner cette forme-là. Avant, on le voyait au niveau des bas, avec des hauts. Et même pour les robes, c'était très, très tendance, certainement. J'imagine, je me dis que c'est revenu à la mode si ce styliste-là, là, peut-être auquel elle a arboré ce style de robe-là, c'est que c'est revenu à la mode. Et c'est quelque chose qui peut apporter une très grande différence à une chose super, super simple. N'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, ton avis pour cette robe? La styliste. Ouais, la robe, elle est très, très magnifique, très originale. Moi, je crois qu'on n'utilise pas souvent ça parce que c'est pas tous les jours que je peux porter ces genres des robes, tu vois. Bien sûr. Mais on utilise aussi des robes des mariés, tu vois. Même si on n'utilise pas beaucoup, mais c'est dans cette occasion qu'on utilise pour faire les robes des mariés et tout, pour que ça soit évasif, pour que ça soit sirène, tu vois. Ouais. En tout cas, la robe, elle est tellement magnifique. Elle est belle. Alors, le gars, t'es tombé amoureux? Ouais, franchement, je trouve sublime cette robe. Dans un blanc immaculé conception. Et comme tu le disais, concernant les détails, je vais rebondir là-dessus. Le diable se trouve dans les détails. Ce sont les détails qui font la différence. Bien sûr. Et tout. Et de base, c'est une robe assez simple. C'est une manche à épaules dénudées. Oui. Et puis à traîne. Mais après, le détail baleine qu'il a utilisé pour pouvoir embellir la robe a fait totalement la différence. C'est bien pensé. Et consort et tout. Et il a remis cet accessoire-là au bout du jour. C'est une sorte de retour à la source et consort et tout. Et franchement, le rendu est vraiment magnifique, nickel. Magnifique. C'est magnifique et consort et très tout. Très sincèrement. Est-ce qu'on a l'habitude de dire un robe débardeur? Vu que c'est blanc, ça rend directement classe. Exactement. Et puis on ressent cette influence streetwear. Exactement. Dans la couture et tout. Oui, oui. Et ça, c'est l'une des innovation, je dirais que le créateur, le designer Louis Vuitton, ou encore le propriétaire de la marque Off-White a eu affaire. Et d'ailleurs, en passage, paix à son âme. Je parle de Virgil Abloh. On sent ce mélange streetwear et haute couture et tout dans la robe. D'où ce côté, tu vois, débardeur et puis avec la finition classe, haute couture et tout. Et vu que t'en parles, très sincèrement, on le souhaite à tous, vraiment, repos, paix à son âme, vraiment, repos éternel. On lui souhaite vraiment de trouver la paix, que la lumière divine le guide Virgil Abloh. Il va nous manquer, très sincèrement. Il va manquer à ce monde de la mode. Il a eu à faire ces dernières années. Franchement, c'est un réel perte. Non seulement pour l'industrie de la mode, mais aussi pour la communauté noire. Noire, sincèrement. Très sincèrement. Et c'est fou de revoir les images, les choses qu'il a accomplies. Tu te dis, mais waouh, le gars, il en a fait des choses. Il était en avance sur son temps, je veux dire ça comme ça. Très sincèrement. Non, c'est comme ce qu'on a dit, hein, mission accomplie. Hein. Voilà. Tous ceux qui accomplissent leur mission nous quittent tôt ou tard. Je t'assure. Donc, il a accompli. En tout cas, il a eu une belle carrière C'est dommage de le dire ainsi. Moi, je déteste utiliser le passé quand on parle de gens, surtout qui ont fait de magnifiques, ouais, de très, très belles choses, qui ont accompli des choses magnifiques. Mais on ne peut que utiliser le passé. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui était là. Je t'assure. Yeah. Et paix à son âme, comme on l'a dit. Et pour revenir au look, tu as parfaitement raison, ce mélange streetwear et quelle élégance.
Parce que c'est tout simplement un débardeur. En fait, c'est même quelque chose qui a été retapé, si tu le revois, par rapport aux coutures, à la couture au niveau de la taille. Tu sens que c'est comme si c'était juste un débardeur, un t-shirt assez simple. Ils se sont dit, pourquoi pas l'embellir, pourquoi pas le rallonger en robe et ensuite, pour tout clôturer, mettre des balances. En fait, je pense que c'est tout simplement ce que j'ai dit. Avec de petits trucs, on peut vraiment... Voilà, ça fait tout, ça a fait tout le boulot. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? Sans hésiter, un 8. Ah, moi je vais rajouter un point, un 9. Alors, et toi, tu lui donnes une note de combien? Moi, je respecte trop le boulot, du coup, 9,50. 9,50, une très très belle note. Et bien, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au prochain look du jour. C'est parti. Deuxième look du jour, Little Sims en mode Daff. Je l'intitule ainsi, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, un peu fou, un peu, voilà, super, mais super, super décontracté, Brian. J'adore ce look, non, mais très sincèrement, très, très sincèrement, je vous vois bien mettre ça. Alors, vous aurez, dis-moi que t'aimes bien ce look, hein? J'adore. Oh. J'adore malade, j'adore grave. Et il n'a rien porté d'extraordinaire. On dirait qu'aujourd'hui, on a un lot de looks assez simples, mais... qui ont juste peut-être une petite touche qui fait une différence ou qui fasse que ce soit beau. Là, je pense juste le fait qu'elle ait remonté son pantalon, je ne sais pas si c'est remonté exprès ou si c'est comme ça, ou sa coiffure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait qu'elle est... En tout cas, elle a cette allure de fou. J'adore ce look, pas parce que c'est magnifique, c'est waouh, mais c'est... Elle se démarque, en fait. Oui, oui. Elle se démarque complètement des autres. En fait, comme tu l'as dit, le look sort de l'ordinaire. Déjà, cet ensemble costume oversize, qui est très tendance actuellement. Et après, le temps, le noir qui lui va à ravir. En plus, je pense que le truc a vraiment apporté cette touche exceptionnelle, c'est sa coiffure. La manière dont elle a vraiment coiffé ses cheveux. Dread. Vas-y, dis-le. On est fiers, non? Bien sûr, c'est l'oxy et tout. Je pense que c'est ça qui a fait totalement la différence et tout, avec sa posture, l'assurance et tout ce qui va avec. Mais par contre, il y a un petit bémol pour moi. C'est la finition. Moi, j'aurais aimé à ce que, voilà, elle porte des daddy shoes ou bien des boots et qu'elle laisse tomber, tu vois, les pantalons, le bas et tout, ça allait faire. Mais tu penses pas que ça allait ressembler aux autres, que ça allait être ce qu'on a l'habitude de voir? Exactement. Cet ensemble-là, oversize, très sincèrement, c'est comme ce que tu le dis, hein. C'est comme ça qu'elle le porte d'habitude. Elle laisse tomber carrément, elle met ce que tu as dit, des talons ou tout simplement des boots. Moi, je pense qu'elle aurait ressemblé à tout le monde. Écoute, c'est pas donné à tout le monde de mettre ce que tout le monde met. Elle a osé, elle a mis ce style de coiffure. Elle a osé attacher tout simplement, faire deux nœuds à ses dreads. Donc je me dis que là, elle peut se le permettre. Moi, je pense que ce sont les deux choses qui ont fait qu'elle a cette originalité-là. Qu'elle a ce côté, comme tu l'as dit, voilà, ordinaire, très sincèrement, extraordinaire même, je veux dire. Moi, je trouve que très sincèrement, elle s'est démarquée du lot et que ça lui va ravir. Hein. Mais c'est ton avis aussi. Surtout, moi, je pense que déjà... Sa coiffure a fait totalement la différence et déjà la tenue et consort et tout. Donc, elle n'aurait pas dû voilà, se prendre la tête et tout. Et puis, mais est-ce que tu aurais tout simplement noté sa coiffure, Brian? Là, on commence à être comme Sylvester, hein? Non, pas noter sa coiffure. C'est tout le look que je note et tout. Je note, moi, c'est par rapport surtout à la finition et au rendu que je parle et tout. Moi, j'aurais bien aimé à ce que, voilà, qu'elle laisse tomber le bas de son pantalon. Ok. Et t'en penses quoi, toi? Moi, c'est le contraire. J'adore ce qu'il a fait. Ça fait un petit truc de plus d'off, comme tu l'as dit, tu vois. Ça ramène encore un truc genre qu'on ne voit pas tous les jours, tu vois. Maintenant, avec le body qu'il a mis aussi, col remonté, ça fait encore quelque chose sur, sur sa tenue. C'est vrai que le haut à l'intérieur, le col roulé, là, ressort un peu... Voilà, va bien avec son teint, la couleur de sa peau. Voilà, exactement, on ne remarque pas trop et moi, sincèrement, comme je te l'ai dit, là, sur ce coup, je la rejoins. J'adore ce qu'elle a fait. Je pense que très sincèrement, elle aurait ressemblé à tout le monde. Il y aurait que la coiffure qui aurait fait une différence. Mais le fait qu'elle ait relevé un peu son pantalon, d'autant plus qu'il y a des pantalons qui ont ce genre de finition-là. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est elle qui a relevé. En tout cas, qu'importe. C'est elle qui a relevé. Qu'importe, elle a ce style-là, voilà. Ça lui va super, super bien, très sincèrement. Si tu as remarqué, elle a relevé. Plus l'autre côté que l'autre côté. Que l'autre, oui, oui, j'ai remarqué. En fait, c'est voilà, super décontracté son style à elle. Exactement. Voilà, et c'est ce qui est cool.
cool. C'est ce qu'on ne voit pas d'habitude dans c'est ce milieu-là. C'est pas comme tout le monde. Souvent, on est obligé de suivre ce que font les autres, même si on essaie d'avoir son propre style qui nous est propre. Des fois, il y a des choses qu'on n'ose vraiment pas faire. Et là, c'est cool, surtout sur un tapis rouge. Bien sûr. Yeah. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, bien sûr. Alors, Ozuri, tu lui donnes une note de combien? Moi, je donne 8. J'en ai donné combien tout à l'heure pour le premier look, là? Rappelle-moi. Un 10,92. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Pas tombé sur la tête, hein. Non. J'avais donné combien? 9. 9. Donc, je redonne un 9. Cool. Et toi? En tout cas, c'est pas mon kiff. Je trouve pas le look si wow que ça. Mm-hmm. Je vais me contenter d'un 6. Un 6, t'es méchant. Ok, je vais me venger, t'inquiète. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, les Anne Pinnock. Je l'intitule Princesse Bazar. J'ai rien compris à son bazar. Sincèrement, Brian. Et tu vas pas me dire que tu aimes ce look, hein? Non. Après, même si j'aime, c'est mon avis. Arrête de me menacer. Je te menace là. Mais elle a fait quoi, là, elle? Non, je vais juste t'expliquer le concept. En fait, Parce qu'il y a un concept. Ouais. C'est pas un concept que tu es allé chercher quelque part? Non. En fait, ce genre de style, ça s'appelle des styles déconstruits, tu vois. C'est un look déconstruit et tout. Bazar. Et je pense que la personne qui a vraiment mis en avant ce style de look, c'est Kanye West, et après, je pense qu'à travers sa collection, il est en 2016 ou bien 2017. Version masculin, quoi. Oui. Non, il a conçu aussi des robes, mais sauf pas des robes genre haute couture et tout, des trucs streetwear et tout, dans ce style, genre troué, consort et tout, tu vois. Donc, d'où. Enfin, la raison pour laquelle je fais le rapport avec consort et tout. Donc, c'est un style déconstruit, c'est un look déconstruit, consort de base. Mais après, je pense qu'ici, le rendu et l'exécution ne sont pas à la hauteur. Ça ressemble à du n'importe quoi. On dirait une poupée qui était habillée par sa propriétaire de 2 ans. Genre, tu vois, une gamine comme de 2 ans qui s'amuse à habiller, là, oui. Qui s'amuse à créer un look, tu vois, une petite robe à sa poupée et qu'on sort et tout. Ça m'inspire rien du tout, quoi. Merci beaucoup, merci. Moi, tout ce à quoi ça me fait penser, c'est quand ton créateur a son mannequin, un bout de tissu, n'importe quelle matière, et que tu ne sais pas encore quoi faire. Ou que tu essaies de trouver, tu essaies de structurer avec des pinces et tout. Merci. Quand tu te mets à créer des choses, par exemple, tu fais un nœud, là tu sens que ça va être la jupe. Tu fais un autre nœud, ça va être la partie du haut. Donc là, tout ce qui devait se faire, c'était dénouer et coudre. Sauf que là, c'est comme juste un concept, en fait. Oui. Exactement. C'est juste un concept qui n'a pas été réalisé et c'est super dommage. Écoute, de nos jours, on a tendance à avoir tellement d'astuces, tellement de choses. Vous pouvez attacher votre chemise de telle sorte, tu peux sortir avec, ça va. Sauf que ça ne marche pas pour moi, pour toutes les matières. Là, c'est de la thune, c'est ça. Mais bon sang de merde, c'est quoi son problème à elle? Très sincèrement, je peux trouver pire nom que Princesse Bazar. N'importe quoi, c'est pas juste décontracté ça, Brian, c'est pas juste déconstruit, c'est de la merde ça, total, je te dis. Elle avait pas le droit, moi, c'est ça que je me dis, c'est comme ce que j'ai dit, t'es créatrice, voilà, on sait comment ça marche. Voilà, donc, c'est un travail qui, c'est même pas un travail, je vais même pas utiliser le terme inachevé. Ça, c'est tout simplement se foutre de la gueule des gens, se dire, écoutez les stylistes, vous cassez la tête à créer des choses, vous cassez vraiment la tête à vouloir faire des choses magnifiques. Attachez tout simplement les choses et partez. Mais c'est quoi le délire? Moi, je dis, c'est juste un truc que, comme j'ai pas d'idée, je vais commencer à voir, je fais ça, ça va aller, après, je vais faire ça. J'ai pas d'idée, je cherche d'idées. C'était ça. Oui, on voit tellement de choses maintenant. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont tout simplement des chaînes YouTube ou tout simplement, voilà, des pages juste pour des astuces? Ça se comprend. Écoute, il y en a qui prennent juste un bout de tissu, qui l'attachent à côté, exactement. Ça fait une robe. Mais ça doit aller, mais c'est pas ça en fait. Il y en a vraiment qui vraiment se foutent de nous, qui vraiment pensent que ouais, la mode, c'est la liberté, c'est le fait d'être free. Genre tu fais voilà, pour continuer fais à travailler, pour voir. Mais c'est pas quand même, la mode a quand un même travail voilà. Fini. Moi, je dirais que cette robe-là, c'est juste le brouillon, quoi. C'est exactement. Genre, voilà, c'est un bazar total. Et il se limite là, il s'est laissé tellement emballer par son délire et consort et tout, qu'il s'est obstiné
Et pourtant, avec l'étoile comme ça, on travaille, on fait des bonnes choses. Hein. Et même qui peuvent ressembler à ça. Et pourtant, rien que ces nœuds-là, juste peut-être orner ces nœuds-là. Imagine, des boucles qui couvrent ces nœuds, couvrent l'autre nœud. Juste ça aurait en fait, le truc, apporter c'est quoi une petite différence. Déjà, en la fait. Matière, tu vois, elle est froissée et qu'on sort et tout. Ça apporte plusieurs détails. Déjà, la tenue et à combiner avec ces nœuds qu'on en trouve un peu partout sur son corps. Ça asymétrique, ça monté, descend. Tout. Je pense que s'il avait franchement dosé avec le nœud, tu vois, genre se limiter juste au niveau de la taille et qu'on sort et tout, ça aurait pu sauver la mise. Non, mais... ou tout simplement, imagine juste des boucles qui couvrent ces nœuds-là. Juste là et là. Ou enlever ces nœuds-là et coudre. Ou créer vraiment quelque chose. C'est juste un concept inachevé. Quelqu'un qui a juste envie de se dire, écoutez, la mode, elle est free, elle est libre. Bon, voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Je suis aussi libre que ça. Mais ce que je veux, on peut mettre ce qu'on veut, avoir son propre style, mais quand même respecter les codes. Mais là, elle a bon, fait. Après, on dit souvent les règles sont faites pour être brisées. Donc. Ouais, c'est ça, mais bien brisées. Hein. Quand tu dois briser un verre, ou là, par exemple, si on se bagarre et que j'ai une bouteille que je dois te casser sur le cou, là, toi, là, t'assommer avec, si je fais ça, je risque de recevoir un autre coup, hein, au retour, si t'es pas bien assommé. Ou pas? Ah, quand même. Ah, je déteste savoir ce genre de look, Brian. Et c'est toi, c'est de ta faute. Tu as voulu me faire parler et ton coup a été réussi. Tu étais trop jovial, donc il fallait un truc pour te calmer. Ouais, là, non, ça ne m'a pas calmé. En fait, ça m'a juste, ça m'a chauffé. Bien chauffé. De refroidir. Là, ça ne m'a pas refroidi, ça m'a chauffé. Alors, la styliste, ne me dis pas que tu serais d'accord pour mettre ça sur un podium. Non. Non, vraiment, hein? Vraiment. À ton avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elle a dû faire qui n'a pas marché? Moi, je dis, ouais, parfois tu fais de folie et ça marche. Parfois tu fais de folie et ça ne marche pas. Et là, sincèrement, sa folie n'a pas marché. Du tout. Du tout. Du tout, du tout. Tu dis, ouais, je fais ça, je monte ça, ouais, ça va marcher, ok. Mais là, ce qu'il a fait là, c'est folie, mais zéro. Ça ne marche pas du tout. Ça n'a pas marché, ça a foiré. Pas du tout, ouais. Alors, tu lui donnes une note de combien? Moi, je peux dire 4. Moi, je n'ai pas de note pour elle. Toi, tu donnes un 4, tu dis. S'il a travaillé, c'est centré. Oui, oui, tu vois l'excuse des créateurs là. Je vais donner la moitié de sa note. Un 2. Un 2. Tu la regardes, quoi. Un 2. Moi, je dis 4 parce que je suis créatrice, du coup, je ne peux pas. Ah, ouais, on est tous des créateurs aux souris. Hein. Je t'assure, on est tous des créateurs. Mais non, mais ça, c'est juste pas créé. Mais tu as vu une création ici? Non. Ok, donc au moins le 2 de Brian, oui, j'accorde. Ça, un 2. Tu la regardes au prochain rendez-vous. Là, si elle fait ça, tu la démontres, c'est ça? Et moi, je n'ai pas de note pour elle. Ce n'est pas que je n'ai pas de note, je n'ai pas envie de la noter. Voilà. Et nous passons au prochain look. 4e look du jour, Midas de Jagaban ou Jagaban ou Jagaban. C'est quoi, Jagaban? C'est toi qui as trouvé ce nom-là. Tu nous dis c'est comment on le prononce. Moi... C'est son nom, c'est tout. Il a dit vagabond. Ah, elle a osé. Elle a osé remplacer le nom de quelqu'un par ça. Je ne veux même pas le répéter. Ça vient de... Brian. Non, mais sérieux. Tu connais ce Midas, Jagaban? Non, je ne le connais pas. C'est, sûrement, en même c'est temps, son... comment le reconnaître à cause de ce qu'il a porté là? Exactement. Sûrement, c'est son nom de scène et tout. C'est un artiste, un rappeur certainement, parce que ce sont des rappeurs qui sont un peu décorés. C'est sûrement ça doit être un rappeur. En tout cas, c'est quelqu'un de l'industrie de la musique. Donc, voilà. Mais très sincèrement, il a confondu l'événement avec un bal costumé. Et même un bal costumé, il n'ose pas se pointer ainsi. Mais c'est quoi son délire à ce gars-là? Moi, je dirais qu'il est plus venu à l'événement habillé ainsi pour énerver, frustrer les gens ou bien faire... Il m'a énervé. Ouais. Là, il m'énerve grave, le gars, parce que... Genre, il est là, il est dans un délire et tout. Il s'est dit, bon, ok, attends, je vais mettre ça, je vais aller énerver les gens. Non, moi, je ne vais même pas le laisser le faire. Je vais le laisser vous énerver. Vas-y, s'il te plaît, exprime-toi. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui est passé par sa tête, pourquoi il a fait ça. Déjà, il a porté tenue jolie, ouais, on est d'accord. Mais au niveau de son pantalon, moi, sincèrement, je ne suis pas dedans. Ce qui a dépassé jusqu'au niveau des orteils là-bas, je suis désolée. Hein. Soma Brian va aimer ça parce que c'est son C'est vrai que j'aime bien ce délire oversize et tout. Mais après, je pense qu'il a abusé avec la longueur du pantalon.
Moi, j'aurais aimé que voilà, le pantalon puisse juste tomber sur la chaussure au lieu d'avaler carrément la chaussure et tout. Exactement. C'est ça qui allait mettre peut-être en valeur le style et tout. Moi, c'est même Boudou qui commence à ménager. Parce que très sincèrement, vous êtes en train de trouver quelque chose que vous aimez dans ce look-là. Non. Moi, je vous ai d'expliquer en fait, quelque chose dans écoute, ce look-là. Écoute, elle a dit, sûrement c'est vrai qu'il aime ce genre de style et tout. J'ai rebondi en disant non. Si le pantalon était moins long que ça, peut-être j'allais kiffer. Mais c'est pas assez long. C'est trop long et tout, ça avale la chaussure et tout. Moi, je kiffe le truc, mais pas sur lui. En fait, il y a un bon concept derrière et tout, mais c'est l'exécution. En fait, c'est le rendu sur lui qui n'est pas beau avant. Exactement, exactement. Il a connu le malheur de porter ce masque de je ne sais pas de quoi sur la tête et tout pour ressembler à un clown. Mm-hmm. Même les clowns. Un clown avec des cornes. Voilà. J'ai rien. Mais rien à dire par rapport à ce look parce qu'il me dégoûte. J'ai même pas envie d'essayer de comprendre. En fait, j'ai même pas envie de savoir si ce qu'il a porté est tendance ou pas, si sur une autre personne. En tout cas, je n'aime pas. C'est du grand n'importe quoi ce qu'il a fait. Écoute, comme ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui essaient et que ça marche des fois et que ça. Il a même pas essayé le gars. Alors, Ouzouri, tu lui donnes une note de combien? Moi, je ne peux pas donner de notes vu ce qu'il a porté. Genre, sur lui, je ne peux pas. Ça serait injuste, tu vois. Moi, j'ai juste envie de l'étrangler, le gars, là. Je pense que vous avez compris. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas de notes et tout. Par contre, je le fous à la poubelle. Et tu vas le foutre à la poubelle. Elle n'a pas de notes. C'est cool, non? Donc, nous passons au dernier look du jour. Cinquième et dernier look du jour, Tiwa Savage en l'art da Silva à Yayi dans une robe courte dorée très très élégante, chic, sexy mais aussi très très belle, n'est-ce pas? Oui, yeah. Je suis d'accord. T'as kiffé alors? Grave. Vas-y. Fais-toi plaisir. Moi la robe, sincèrement, j'ai pas de mots. Juste c'est magnifique, surtout sur elle. Elle a bien porté la robe. Cool. Bryano? La robe respire le chic, le glamour, l'élégance. Franchement, elle est à voir à merveille, la robe. Elle est assez sexy. Mate le gars, comment il parle. Regarde. J'adore ce détail, voilà, la traîne drapée sur le côté et tout de la robe. Elle est bien coiffée, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Et c'est pas pris la tête, c'est un look à la fois extrait et minimaliste et tout. Et c'est pas pris la tête avec les bijoux, les bracelets, tout ce qu'il veut avec. Et après, je pense que... son tatouage, franchement, apporte, aussi apporte une valeur ajoutée. Quoi. Donc, franchement, ça fait genre habiller un côté. Oui, quand tu vois la robe sur le cou, la première fois, tu penses que son tatou fait partie de la robe. Mais quand tu regardes mieux, quand tu zoomes, tu te rends compte que non, c'est juste son tatou et que voilà. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la simplicité. Elle ne s'est vraiment pas cassée la tête. Bien sûr. La matière a vraiment fait tout le boulot de la robe. La matière c'est juste et le temps. Voilà, comme ce que tu as la dit. La robe, déjà, partie-là. C'est bijoux directement. Voilà, exactement. Magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Il a compris. Elle est assez simple. Son make-up simple et magnifique. En même temps, c'est Tiwa Savage. Hein. C'est dingue. Ouais, donc, franchement, je pense qu'elle fait partie des rares personnalités africaines où, sur le plan vestimentaire, elles font moins de faux pas. Ouais, vraiment. Du tout. Elle s'habille bien, elle se coiffe bien. En fait, c'est une fashionista, tu vois, Savage. Ouais, ça, c'est clair. Et je ne sais pas si tu as remarqué le ton de ses chaussures et de son sac. Ouais, ouais. Ce vert-là, c'est très, très rare de voir. En même temps, porter du doré et oser mettre avec du vert, exactement. Ouais. C'est très, très rare de voir ça. Et là, oser et là, réussir. Ouais, généralement, les gens ont tendance à beaucoup plus associer le doré avec le noir. Le noir ou marron. Voilà, noir, en tout cas, tirer sur cette couleur-là. Et là, très sincèrement, elle a osé et c'était magnifique. Très sincèrement, elle est belle. Hein. Ce qui fait différent surtout est la confiance en elle. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, tout ce qu'elle porte, elle a vraiment confiance en elle. Elle a le feu et la dégaine, comme je le dis toujours. Les valeurs ajoutées qu'il faut pour pouvoir booster le look. Très sincèrement. Oh là là, elle est belle. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? Un 9. Un 9 aussi. Et toi? Moi, j'ose dire 10. Il n'y a pas de faute. C'est 100%. Ton coup de cœur du jour. Eh oui, mon coup de cœur. Yeah, c'est cool. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement sans transition. C'est bon pour toi?
Au top et flop, alors ton top et ton flop du jour par rapport au look. Un top déjà tu connais, c'est Tiwa. Tiwa Savage, ton top du jour et ton flop du jour. Tu connais déjà. Avec les cornes. Voilà. Midas de c'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est ton flop du jour. Cool. Et ben moi, aujourd'hui, on dirait que j'ai trois tapes du jour. Donc, j'ai Tiwa Savage. J'ai Steph London, la robe blanche, et j'ai Little Smith. Donc aujourd'hui, j'ai trois tops du jour. Et pour mes flops, vous le savez, j'ai même pas envie d'utiliser ce terme flop. Je sais pas s'il y a pire que ça, mais vu qu'on s'en tient à ça, donc j'ai deux flops du jour. Et non, je vais m'en limiter à un seul flop, et c'est Monsieur avec les cornes. Donc Little Smith et mon flop du jour. Alors, Ryan, ton top et flop du jour. Mon top. Du jour, j'en ai ex aequo. Enfin, mm-hmm. J'ai deux tops mm-hmm. et tout. Il y a Steph London mm-hmm. et Tiwa Savage. Mm-hmm. Et pour le flop, j'en ai qu'un seul. Mm-hmm. Et c'est Jagaban. Jagaban, oui. Oh, je me suis trompée pour les flops. J'ai dit Little Smith. Non, c'est Jagaban, Mr. avec les cornes. Jagaban, ça ressemble à son nom. Donc, c'est lui mon flop du jour. Merci d'avoir dit pour que je puisse me rectifier. Donc, Jagaban, c'est mon flop du jour. Et c'est ton flop. Et c'est ton flop à toi aussi. Et ma chère invitée secrétaire, c'était tout pour les flops, top et flop du jour. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Mais avant cela, vous l'avez vu, on était avec une experte de la mode avec la très grande styliste Ouzuri Zayn. Avant de partir, donc Ouzuri, on va peut-être te laisser quelques minutes, voilà, mieux reparler de toi, dire comment faire pour avoir des collections d'Ouzuri, comment faire pour commander ses tenues, ainsi de suite, pour dire aux gens comment faire pour avoir Ouzuri. Ok, Ouzuri, déjà c'est tous les plateformes, tous les sites, Insta, Facebook, même TikTok, il y a tout sur Ouzuri pour faire vos commandes. Et surtout, bientôt, il y a la collection pour l'hiver, mois de décembre et tout. Mmh. N'hésitez pas, vous avez le choix d'avoir une promotion aussi. Si vous avez acheté deux articles, vous avez l'autre article offert et aussi. Et il y a des boutiques, des partenariats, des parfums. Si vous avez acheté, vous avez les réductions de parfums aussi bientôt. N'hésitez pas à les suivre, d'aller voir. Ah, les fêtes s'annoncent très, bien. Très bientôt. Et les oui. fêtes s'annoncent bien avec Ouzuri apparemment. Oui. Hein? Très, très bien. Et alors, des défilés à venir, des événements à venir? Ouais, il y a des défilés. Là, demain, on part à Saint-Louis pour Festimode. Mm-hmm. Et mois de décembre aussi, on organise genre un événement pour les enfants pour Noël, mais ça sera toujours Ouzuri qui va organiser ça. L'événement. Vu qu'on adore les enfants, mm-hmm. ce sera l'occasion aussi de montrer aux enfants aussi que vous pouvez faire aussi, vous pouvez travailler, vous pouvez être jolie aussi. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, tu crées des créateurs en herbe. C'est ça, avec les enfants, donc Ouzuri est dans le social, si on a bien compris. Exactement. Et ça, avec les enfants, quelque chose qui nous touche vraiment à cœur. Et on t'encourage et on espère qu'on sera invité, hein, Brian. Ah, ça, c'est sûr. On aura nos cadeaux aussi. Oui. Ah, Père Noël ne va pas vous oublier. Ah, d'accord. Ben, je pense que le Père Noël peut l'oublier. Parce ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Elle ne peut pas parce que c'est pour les enfants. Et merci. Vu qu'elle... Elle adore dedans, les enfants. Adore les enfants, du coup, on ne peut pas l'oublier. Elle fait semblant. Non. Tu vois ce qu'il a mérité. Il m'a mérité, lui, non? Parce qu'il était pas sage, donc il va conduire à me mériter. C'est tout. Alors, Brian, tu as une autre question pour Ouzuri? Juste de passage, j'aimerais savoir, tu as eu à parler des enfants et par rapport à l'événement autour des enfants et tout. Est-ce que tu as une ligne de vêtements dédiée aux enfants? Oui, on fait tout. On fait pour les enfants, pour les grands, pour les hommes. Sur commande ou bien genre... Sur commande, surtout. Sur commande. C'est cool. Alors, Ouzuri, merci vraiment très sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui au plateau merci de fin d'année. Et bien sûr, avant de clôturer, on va te laisser peut-être souhaiter une bonne fête de fin d'année à tes proches, à la famille. Ouais, surtout que je suis loin de ma famille, c'est vraiment quelque chose de triste. Mais bon, ici j'ai de la famille, le Sénégal c'est ma famille.
Ceux qui m'ont fait jusqu'à là aujourd'hui sont des Sénégalais et ça restera toujours ma famille de cœur. Et vu que je suis là toujours, c'est ma famille qui m'a accueilli ici jusqu'à présent. Et ça, je dis alhamdoulilah et merci beaucoup. Mm-hmm. Et bonne fête à qui ? Même pas à moi. Bonne fête à tout le monde, surtout à vous aussi. Hein. Tu vois, non, c'est pas Brian... tout le monde, hein, même l'invité, c'est cool, non ? Alors, Brian, à toi. Ah, la liste est longue. Hein. Mm-hmm. Déjà, je vais commencer par... Ne sais pas tout le monde. Je vais essayer de faire comme les présentateurs typiquement sénégalais. On va commencer par... Ah, c'est toi qui l'as dit. C'est lui qui l'a dit, pas moi. C'est toi qui m'as informé. Tu me dis, regarde, Brian, il se comporte comme ça. Quand il veut présenter, il commence à saluer l'heure. Non, vas-y. Bon, déjà, je tiens à franchement remercier vous les téléspectateurs. Vous avez été avec nous depuis le début d'année et tout. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile, comme je le disais tout le temps. Mm-hmm. Vous avez été fidèle au poste. Mm-hmm. Vous nous avez témoigné votre amour et tout. Et je vous suis tellement reconnaissant. Et on... là, tu parles pour nous deux, non, les téléspectateurs? Non, avant, tu auras le temps de parler. Là, je suis en train de parler de moi. Hein, non, de nous. S'il te plaît. D'accord. Bon, après, l'équipe de la Fashion Police est tellement reconnaissante envers vous. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Je vous souhaite mes meilleurs voeux et que cette nouvelle année soit voilà, une source de succès, de bonheur, de longévité, de santé, de prospérité dans vos entreprises et tout. Et je tiens aussi à faire un big up à toute l'équipe de FATV. Nos gars sûrs, comme j'ai l'habitude de le dire, les gars de l'homme, c'est-à-dire les monteurs, les preneurs de son, les caméramans, ceux qui, grâce à eux, voilà, vous nous captez depuis chez vous à la maison. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont tellement nombreux et tout. Mm-hmm. Donc, big up et à toute l'équipe. Terrible aussi. Big up à toute l'équipe. Franchement, les gars, vous assurez, vous faites un bon boulot. Et c'est grâce à vous que, voilà, on va dire qu'on existe et tout. Mm-hmm. Donc, voilà. Et j'en profite aussi pour... Vas-y, mec. Tu vas finir un jour. Non, franchement. C'est mon moment, là. Tu vas finir un jour, vas-y. Ouais, j'en profite aussi pour souhaiter meilleurs voeux à ma famille. Franchement, meilleurs voeux à vous. Je vous porte dans mon cœur. Ceux de Bangui, de Paris, d'ici à Dakar et d'ailleurs. Je ne vais pas mettre les citer tous. Franchement, big up à vous. Enfin, il a fini. Je ne sais même plus ce que je dois dire. Bon, juste commencer par remercier très sincèrement toute l'équipe de EFA. Me supporter, moi, c'est vraiment supporter un très gros poids. Surtout toi, Brian, l'équipe technique, tout le monde. Vous m'avez vraiment supporté. J'ai fatigué tout le monde, je vous ai fatigué, j'ai raconté des conneries. Et surtout vous, chers amis téléspectateurs, comme il l'a dit. C'est une très, très longue histoire. C'est pas que cette année-ci, ça date de 3 ans maintenant. Ouais. Donc, vous supportez nos conneries, nos déguisements, nos habits, tout ce qu'on dit très sincèrement. Oui, c'est ce que je dis. Non, même, parce qu'il y en a qui disent cela. Donc, juste pour reprendre ces mêmes termes, merci à vous très sincèrement de nous supporter, de nous regarder et sincèrement d'être avec nous du fond du cœur. On remercie les téléspectateurs, je remercie toute l'équipe de EFA, je remercie les techniciens, ceux qui sont là devant nous, que vous ne voyez pas du tout. Je les fatigue, je les saoule, je saoule Brian, je saoule tout le monde. Je remercie très sincèrement tous ceux qui sont dans ce monde, tous ceux qui sont dans le monde de la mode. Parce qu'on a affaire à tout le monde, à Ozoré qui est là, à tous ceux qui sont passés par là. Et vraiment, mes meilleurs voeux à vous tous, à toute l'équipe de EFA, aux techniciens, aux caméramans, à mes confrères et consoeurs. Et pour finir, je souhaite mes meilleurs voeux à ma famille, ma maman, mon papa, frères et sœurs, à mon bébé, à moi, Ibrahima Junior, à mon daddy, Sidi Lee, à tout le monde, à tout le Sénégal, toute l'Afrique, à tout le monde, où que vous soyez. Je vous souhaite mes meilleurs voeux de paix, de santé, de bonheur, longévité, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je souhaite que cette nouvelle année, coronavirus, quoi que tu puisses t'appeler, que tu puisses te transformer en je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi, très sincèrement, retourne d'où tu viens. Vraiment, retourne d'où tu viens. On espère que cette année-ci, cette maladie va disparaître et pour le bon. Très sincèrement, on l'espère et
à ceux qui nous ont quittés, on leur souhaite un repos éternel et bon rétablissement à ceux qui vraiment souffrent de cette maladie. Et on espère vraiment qu'on croise les doigts que ça va partir. En tout cas, nos meilleurs voeux, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et j'imagine qu'on pourra le dire en cœur. Mais avant cela, Brian, oui, pense pas que tu es à retraite là. Coronavirus est là. C'est ton boulot, non? Pour la énième fois, j'ai encore le dire. On ne cessera jamais de vous chanter l'évangile de la distanciation sociale. Donc, s'il vous plaît, l'affaire devient encore de plus en plus grave. Donc, prenez soin de vous, appliquez, respectez les mesures barrières et tout, et ne faites pas de conneries. Si vous avez l'opportunité, allez vous faire vacciner ou, au pire des cas, portez vos masques, respectez les mesures barrières. Et puis, je pense que c'est à travers ça qu'on pourra vraiment vaincre le virus. Donc, voilà. Faites gaffe si vous n'avez pas envie de crever. Voilà, surtout. Et surtout, il ne faut pas dire « ouais, je suis jeune, je ne vais pas l'attraper » ou « je suis jeune, je ne vais pas mourir ». Il ne faut pas oublier que tu as des grands-parents chez toi, tu as des petits chez toi. Il ne faut pas penser juste à toi, être égoïste. Il faut penser aux autres. Mais des milliers de jeunes et des jeunes nous ont quittés grâce à cette maladie. Aussi. Donc, jeunes, vieux ou pas, voilà. Qui que nous soyons, protégez-nous. C'est comme ce que j'ai l'habitude de dire aussi. C'est comme ce que tout le monde dit. Se protéger, c'est protéger les autres, vraiment. Alors, protégeons-nous. C'est mieux. La maladie, elle est là. Et voilà, je ne fais pas flipper, mais j'adore dire cette phrase. Si vous n'avez pas envie de crever, protégez-vous. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur EFA, dans Fashion Police Africa. Bye-bye. Nos meilleurs vœux et bonne année.